Mais ça joue pas mal, c'est-à-dire, là-dedans, faut de logique, il y avait des Polonais et tout, alors, c'est les Polonais qui étaient là, étaient plus libres que nous. Il avait le journal, c'est eux qui nous expliquaient. Ah, ouais. Puis on voyait bien quand ils nous le donnaient, on voyait bien. Voilà, bon, faut s'y penser, j'y pensais. Hein. Quand vous êtes revenu là, la maison où vous habitiez à Moyon, en fait Ah, ben mes parents étaient au Philippe, là. La maison, elle n'était pas détruite quand vous êtes revenu? La maison. Ah, la maison, non. Mais le Kyopoté, la ferme, non. Chez Philippe. Si, si, ouais. Ben, le grand bâtiment qui est arrivé à droite, il était brûlé, lui. D'accord, ouais. Et puis la maison, il y avait des obus qui avaient tombé sur la toiture, quoi. Ouais. Alors, les parents étaient contents et tout le monde était content. De se revoir, ben oui. Oui, ça faisait 5 ans. Hein. Ouais. Ben, attention, il y en a qui ont été plus malheureux, quoi. Hein. Ouais. Il y en a qui l'ont confié 8 ans. Hein. Ah oui? Ben oui, parce qu'il avait été mobilisé. Avant, ouais. Le régiment, puis ils ont été rappelés. Et puis alors, après, bon, ils ont été fait prisonniers. Ils ont été 8 ans. Et Alphonse Savary. Que vous connaissez. Ah oui, oui. Ben, il a fait 8 ans, lui. Mais il y en a comme qui faisait 8 ans, il perdait pas la tête, mais tout juste, là. Hein. Ben, c'est long, hein. Ah, oui, quand même, hein. Je t'en pensais quand même. Que c'est... Mais enfin, dans les camps, il avait des théâtres, quoi. Il faisait des théâtres, oui. Ouais. Enfin, c'était les sentinelles qui étaient les principales. Quand c'était une bonne, c'était bien. Il y en a un qui saleté, alors il paraît qu'il est. On a su après qu'il était mort sur le front russe, on n'en sait rien. La tête saleté, il nous menaçait la baïonnette, tout. Hein. Ouais. Ben oui, parce qu'on recevait des colis, puis on recevait du calva dans les colis. Ah oui. Il est ouvré, bon. Une fois, tout le monde avait un colis, les 8. Hein. Et puis bon, mon cousin, il en avait 5 pour lui tout seul. Alors moi et mon cousin, on avait des bouteilles de colva, quoi. Et lui, là, dans les 5, il n'avait pas dans tout le monde. Hein. Il a ouvert, quand il a ouvert le dernier, il a ouvert, moi je l'avais jeté sous la table. Bon, ben, je suis un peu malin quand même, attention. Hein. Alors bon, mon cousin, lui, et le dernier colis, il a ouvert, puis il n'a pas eu le temps de tirer la bouteille. Hein. Il l'a pris, oui. Il l'a menacé à la gorge, hein. Ah oui. Avec sa baïonnette, hein. Oh, ben oui, t'es pas fier, quand même. Hein. Ah ben non. Alors là-dessus, ce gars-là, il y avait un commando, mais pas loin de nous, 6-7 km, mais on ne savait pas, quoi. Alors il vient une fois, la sentinelle qui gardait les autres, viens voir chez nous, quoi, puis il parle avec deux sentinelles qui étaient méchantes, qui étaient mauvaises, là. Et puis l'autre lui dit comme ça, « Ah, moi, j'en ai un, je peux pas arriver à le dresser. » Alors, « Oh, ben, il a dit, moi, je vais bien y aller, moi. » Alors, il y va. Et puis, il n'a pas été longtemps, on n'a pas eu longtemps après, hein. Il y avait quand même de l'ordre, quand même. Il y va, et puis... Il fiche un coup de poing. Ouais. Le grand, mais voilà, il l'a tombé par terre. Il a fait mort. Ouais, ouais. Alors, il jetait de l'eau sur la tête, tout ça, quoi. Et puis, il a porté plainte. Et l'autre sentinelle qui était méchante, elle est partie, hein. Ah, ouais, ouais. Ah, oui, quand même, il y avait un petit peu. D'accord. Mais notre patron, il. Oui, parce qu'ils avaient besoin de vous quand même pour faire le travail. Notre patron, il aimait bien cette sentinelle-là parce qu'elle était dure avec nous. Ah oui. Mais à côté de ça, on en avait des bons. On en a eu un au bord de la frontière française. Chacun, quand on avait notre anniversaire, il nous a distribué des bouteilles de schnapps. Ah ouais. Oui.